découvert la discipline quand j'étais en quatrième, j'étais au collège, et je suis tombé sur la vidéo d'un freestyler français qui faisait des gestes de malade avec un ballon. Et quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, ok, ça, j'ai toujours voulu faire ça. Donc je me suis lancé, j'ai commencé à recopier un petit peu les gestes, et suite à ça, j'ai commencé à créer mes propres enchaînements et j'en suis arrivé à là aujourd'hui. Ça prend à peu près 4 heures, vraiment, où là je vais essayer de créer des nouvelles combinaisons, des nouveaux mouvements. Ça demande beaucoup d'échauffement, une bonne condition physique aussi, donc à côté de ça, j'ai mes renforcements musculaires que je fais chez moi. L'avantage qu'il y a avec cette discipline, en fait, c'est que c'est très libre et on peut vraiment s'inspirer de plein de disciplines comme le breakdance, on peut s'inspirer de la gymnastique, des arts martiaux, c'est vraiment très libre. Donc on se rend peut-être pas forcément compte, mais il y a pas mal de petites subtilités qu'on peut réussir à incorporer avec le ballon. Et tout ce travail de recherche, c'est ça qui prend aussi pas mal de temps sur les entraînements.